Thank you.
Il vino solitario ti affonda negli abissi dei pensieri, sollevando il tuo malessere e tanti vecchi dolori. Ma se bevi in compagnia, dicevi il vecchio saggio, scoprirai un oceano di profumi e valle di sapori. Il vino condiviso ti parlerà delle fragranze della terra, dei tuoi sogni e ricordi più felici. Se bevi in compagnia, dicevi il vecchio saggio, attraverserai contrade sconosciute e la storia dell'umanità. Basterà solo un sorso pieno di misteri e la tua vita avrà un tutt'altro sapore. Thank you.
Thank you.
Thank you.
La première des choses que je veux te dire, c'est que le paysage viticole, le paysage tout court, a beaucoup changé chez nous parce que depuis 30 ans, il y a eu la révolution des AOC qui fait que, bon, maintenant, on ne peut pas faire... la viticulture qui existait avant n'existe plus. Celle des hauts rendements qui avait d'ailleurs été imposée aux gens de là, puisque ces vins, surtout dans la plaine arbonnaise, servaient de vins de coupage avec des vins à fort degré, à fort titre, qui venaient soit d'Italie, soit d'Algérie. Et ça, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire que ceux qui faisaient ce qu'on appelait là-bas les pissevins ont été arrachés, tout est maintenant vinifié, il y a des cahiers des charges, il y a les vins de pays, il y a les AOC, puis des vignerons qui sont devenus, qui suivent leurs produits jusqu'à ce qu'ils arrivent dans sa bouteille, jusqu'à ce qu'ils soient dans la bouteille même carrément. Alors, donc ça déjà, tu vas en Languedoc, qui est bon, vers chez vous, là, du côté du Pic Saint-Loup, ça vous avez quand même, et du côté de chez nous, en Corbière, en Pays Limousin, sur les soulanes de la Montagne Noire, on a des vins qui peuvent rivaliser avec n'importe quel vin en France, mais peut-être aussi en Europe, en particulier, enfin, moi ça c'est mon goût, en particulier dans les vins rouges. Alors bon, il y a des vins de tous les cépages, tu sais que le vin, on fait des vins d'assemblage, mais on fait aussi beaucoup de vins de cépage, c'est très à la mode, des merlots, des syrahs. Mais alors, je suis content d'une chose, mais je te parle à mon nom personnel, c'est que lorsqu'il y a eu cette révolution viticole, il y a des tas de conseillers agricoles qui sont arrivés avec les lunettes d'écaille et les attachés caisses, et qui ont dit aux gens, voilà, maintenant la viticulture de papa, c'est mort. Vous allez faire, et finalement, ce qu'on leur demandait de faire, c'est avec des plans bordelais, une espèce de sous-bordeaux. Et alors, ceux qui ont été des porteurs de futur, ce sont ceux qui ont gardé les cépages locaux, c'est-à-dire le carignan. Le carignan, il est fait pour la sécheresse. Il résiste à tout. C'est un vaillant. Pour peu qu'on le soigne un peu, qu'on le taille au court, plus il vieillit, plus il est bon. Et alors, les vins de Carignan, tu connais le Carignan? Oui, tu parles. Bon, le Carignan, c'est quand même un vin qui ne met pas son drapeau dans la poche, c'est un vin charpenté, c'est un vin qui a du goût, c'est un vin tannique. Tu ajoutes à ça, tu peux le... Écoute, chez nous, ceux qui font du Carignan pur, j'en ai dans mon village, pour avoir des bouteilles chez eux, il faut prendre un ticket comme quand tu vas à la caisse d'épargne, pour... tu n'arrives pas toujours à en avoir. Donc, ceux qui ont gardé leur Carignan, qui les ont soignés, ils ont bien fait parce qu'ils vendent tout leur vin à des prix. Une bonne bouteille de Carignan, c'est 12,90€. Le vieux Carignan. Le vieux Carignan. Avec un Carignan moyen ou un Carignan neuf, tu arrives chez le producteur à 8€, 9,90€. Moi, je te parle de mon village. Et donc, ce Carignan, finalement, il est là, il a survécu, il a... et il fait finalement, pas la fortune, mais enfin, il permet à des tas de gens de vivre. Avec ce Carignan comme chef d'équipe, vraiment capitaine de l'équipe, tu arrives à des vins, mon pauvre, qui rentrent mêlés comme des grands. Ils sont, tu peux les mettre en division nationale tranquillement. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Moi, je suis un amateur de Carignan, pas seulement par patriotisme viticole, mais surtout pour le goût. C'est parce que c'est un vin qui est typé, c'est un vin qui te renvoie à des horizons, qui te renvoie à une certaine sécheresse du pays, à la Piraille, au Pendalep, à la Garrigue. Mais c'est un vin vraiment qui est typé à la Méditerranée. C'est d'ailleurs un vin qui vient d'Espagne, puisque là on l'appelle le Carignana. Il est arrivé, je ne sais pas s'il est arrivé des papiers ou sans papiers, mais enfin, il s'est très bien acclimaté ici, à tel point qu'il a été largement naturalisé, qu'il a ses papiers officiels de languedocien. Je pense que c'est une bonne chose, voilà. Après, sur ce qui est, en ce qui concerne les vins de cépage, alors il y a des gens qui font du Carignan pur, mais tu as tous les vins de cépage qui réussissent, tu as le Merlot, tu as les Cabernets, mais tu as aussi t'as les Grenaches, alors, un vin que j'aime beaucoup aussi, un vin de cépage, c'est la Syrah. Finalement, il y a
Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une internationale de la viticulture. Je parle des producteurs, hein. Je parle pas des margoulins, des marchands, des trucs qui n'ont jamais foutu les pieds dans une vigne. Ce rituel, ce contentement, ce plaisir de t'expliquer les ténements, de te faire visiter les vignes, de t'expliquer les traitements, les vendanges, la vinification. Et voilà, et donc, que te dirais-je de plus, sinon que si moi je suis ici, c'est parce que mes grands-parents, mon grand-père surtout, est venu d'abord travailler la vigne ici. Et que ma grand-mère l'a suivi, bon voilà, c'est la vigne qui m'a fait français. C'est drôle, non? Enfin, qui m'a fait déjà languedocien et français ensuite dans la foulée, quoi.
Thank you.
Mm-hmm.